Binge Audio. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes un petit peu chaud ou est-ce que vous êtes très chaud? Parce que ce soir, on reçoit Rebecca Warrior, s'il vous plaît, cliquetez que où que vous soyez chez vous. Voilà, je veux vous entendre cliqueter. Bienvenue. Je me clique, toi. Ouais, clique-toi. Ouais. En click and collect. Alors, on va décliner ton identité de duc. Donc nous recevons ce soir Rebecca Warrior, qui est également la moitié de Sexy Sushi, qui est également la moitié de Compromat, qui est également la moitié de Mensfiltia. C'est bien ça. Tu veux me parler ou pas? Non, je continue, j'attendais la moitié de Tintin et Milou, la moitié de tu serais, Obélix. Tu serais Tintin ou Milou? Je serais clairement ad hoc. En deux mots? Ouais. Tu as compris ou pas? Ah ouais, tu serais capitaine ad hoc. Bah oui, le loser dans le fond. Mais c'est pas un loser capitaine ad hoc. Non mais bon, je m'identifie bien quoi. Le pull marin, les tatous, ouais, le whisky. Ouais, il tient sa barre. Ouais. Non, enfin. C'est... Est-ce que tu considères que tu tiens ta barre? Je laisse aller bien les choses. Je pense ad hoc aussi hein. Ouais, je me rends pas compte quel genre de navigateur c'est. Je me demande s'il est plutôt, comment il s'appelle, Florence Artaud, ou s'il est plutôt, comment il s'appelle le man, là, le breton fou, là. Celui qui est mort? Non, qui est mort? Ah bah, je sais pas, il y en a pas un qui a coulé. Le capitaine... Capoc. Comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom, ah un bonnet rouge. Ah, Cousteau. Cousteau. Putain, t'es vraiment nul. Ouais. Je cherche un couteau. Non, Olivier de Kersauzon. Ah oui, merci. Lui, il a pas coulé, lui. Je sais, je suis pas trop au courant des marins en vie. Je joue rarement à marin mort ou vif, mais je dois rire. Ok, donc tu serais capitaine ad hoc. Est-ce que tu serais Astérix ou Obélix? Pareil, je serais Abracoursix. Attends, c'est qui celui-là déjà? C'est le barde. Chef. Non, c'est le chef. Ah ouais, j'ai pas pris le barde. Ouais, j'aurais pu parce qu'il est bien nul, mais le chef est bien nul aussi. Mimine, mon pavois. Ouais, voilà, tu sais. C'est parce que j'adore appeler Mimine les gens. Mimine, maintenant, et pas du tout. C'est vrai que c'est mignon, c'est Mimine. C'est trop mignon, ouais. J'aime bien sa femme, c'est Bonne Mine, du coup. C'est Bonne Mine. Celle ouais. qui fait des gâteaux, merci beaucoup. Merci. Oh, super. Oh, la tasse chien, mais je l'avais merci déjà beaucoup. Hier. Ah, c'est vrai, la même? Ouais, mais sans être là. Mais c'était où? Où est-ce que j'ai vu cette tasse? Hein? Toi aussi, tu l'as vu? On a vu cette tasse. Attends, vas-y, refais le chemin mental de où t'étais. C'est impossible que c'est je retrouve, ouais. Non. Moi, j'ai nous, on n'a rien à voir. Ah, chez Jérémy. Voilà, ouais. Pardon, rien à voir. Ça vous intéresse pas du tout, là. Bon, écoute, j'ai essayé d'arrêter le sucre, mais j'ai mis un petit peu de miel dans mon thé. Bon, voilà, il était, mais il sait pas faire le thé, Jérémy, tu sais très bien. Il l'infuse jamais assez longtemps. Et c'est écrit 4 minutes sur c'est le écrit, dos du palais des thés. Tu bois du thé de mauvaise qualité ou tu bois du thé genre un peu... Non, je bois du thé high level shit. C'est vrai? Ouais, thé vert, patati patachtrumpf, 30 degrés. Ah ouais, casse-couille un peu, je suis thé casse-couille. C'est vrai? Mmh. Est-ce que t'es casse-couille en général? Avec le thé, oui. Mais pas en général. Il y a des sujets précis quand même, je dois avouer. Est-ce qu'il y a un sujet où tu devrais être casse-couille ou t'es pas casse-couille? Non, je suis quand même plutôt casse-couille. C'est vrai? Ouais. Attends, c'est quoi ton signe alors du coup? Casse-couille. C'est le 13e signe. Ouais. Juste après Lion. Juste après, non, Capricorne. Ah bon? Ah bah c'est ouais. Les plus casse-couilles, les Capricornes. Non, je sais, alors on me fait des... On te fait des signes, il y a des Capricornes ouais. À la salle. Non, mais c'est une question d'ascendant. Attends, je regarde juste ce que dit le chat. Bienvenue à tous qui nous rejoignez. Oh, que vous soyez chien, sur le chat ou que vous soyez en audio guide par chez vous, en train qui de prendre une douche? Qui de rouler pour emmener Théo et Léo au judo? Qui
en train d'avoir écrit Run, comme dans la série Run, ou quand les deux, t'as vu cette série, où les deux ils écrivent Run, ils s'envoient un texto, s'il y en a un qui écrit Run, je vais arrêter de dire Run parce que c'est fatigant, genre c'est comme lever les yeux au ciel, c'est hyper épuisant. Si les deux écrivent Run, et ben ils se retrouvent et ils s'enfuient de leur vie. Je sais pas du tout de quoi on parle. Je me suis arrêtée à Colombo. Hein. C'est quoi ? Je me souviens même plus pourquoi j'ai commencé à D'accord, dire ça. D'accord, tout va très bien. Alors je suis sobre, mais je sais pas. Mon cœur, il est fatigué. Est-ce que t'as déjà... Si à tout moment, si le fait que je te pose des questions, ça te saoule, tu me dis. Hein. C'est le concept. Hein. Je suis ouais, mais là pour me faire vraiment... Ici, tu peux dire non, mais c'est long. J'aime bien, j'aime assez l'intensité. Ouais, ouais. Est-ce que, ma question, c'est, est-ce que t'as déjà eu mal au cœur physiquement parce que t'avais mal au cœur? Mal au cœur, physiquement d'avoir mal au cœur, tu parles d'un arrêt cardiaque? Est-ce non. que je suis morte? Non. C'est ça que tu me demandes? Une NDE. C'est quoi NDE? Near Death Experience. Ah ouais, bah j'en ai eu un milliard, hein, comme tout le monde. Bah quoi non? Ah bah moi j'en ai tout le temps. Franchement ma vie est une... Une NDE ? Une NDE, oui. Ah bon ? D'ailleurs c'est plus est-ce que des fois je suis en vie qu'il faut... Arrête ! T'as des doutes des fois ? Ah bah oui évidemment. C'est quand la dernière fois que t'as eu un doute sur le fait d'être en vie ? Aujourd'hui même, je me suis demandé si j'étais pas là même avant ma naissance. Je me suis demandé si j'étais pas là même avant ma naissance. J'ai perdu tout le monde. Attends. Il y a des capricornes dans la salle. Si t'étais pas la même que ce que t'es là avant ta naissance. Si j'étais pas, virgule, la même, parce que j'aime bien dire ce couple de mots, avant ma naissance, point. Et alors c'est on est à apostrophe, putain. C'est un délire. Bonsoir. Est-ce que t'as eu la réponse à cette question? Pas du tout. Bah, on peut et maintenant savoir, que je suis là, je me redemande encore vraiment ouais. si la vie ou la mort avec ouais, toi. Ouais. Si on n'est pas tout simplement dans les limbes, ouais, ça ouais. pourrait bien ressembler au c'est studio d'ici. Ouais. Passes-tu t'ennuies? Non, pas du tout. Tu crois que c'est ennuyeux les limbes? À mon avis, si, tu vois, c'est comme un ascenseur. Tu dis oui, bon... J'imagine pas du tout ça comme ça. Ah bon? Non, j'imagine ça vraiment avec plein de gens pas baptisés. Les limbes? Ouais, ouais. Ah ouais, t'as pris stricto sensu, toi. Ah ouais, clairement. Donc, tu vois, un tas de gens pas baptisés. Wouh, et vous aussi, vous venez d'arriver. Et donc, on fait quoi? Cool, les limbes. Bah, ouais. On fait tout ce qu'on fait quand on n'est pas baptisé. Tu veux dire, on est des mécréants? On est à fond des mécréants et des capricornes dans la salle. Alors, attends, définition mécréant. J'aime bien ce mot. Ouais, ouais. Il est hyper beau. Ouais, ouais, ouais. Mais créant, c'est dommage, ça veuille dire ce que ça veut dire. Parce que tu vois, je cherche souvent des insultes qui soient pas à caractère... Qu'est-ce que tu fais mettre dans la main dans le tiroir à ma liste? J'ai chaud, ça tu va me bien donnes... 5 minutes. Tu me donnes chaud, mécréante. Ah bah voilà, définition de mécréant. Attends, j'enlève mon pull, allez, parle toute seule. Allez, c'est parti. Vas-y, enlève ton pull et pendant ce temps... Ah, ta friandise est tombée derrière le canapé. Quelqu'un saigne du nez. Bah, il faut soigner à un moment donné. Hein. Appelle le 15. J'ai dû appeler le 15 il n'y a pas longtemps. Oui, allô? Ouais, alors ok, on l'a refait. Donc c'est toi, c'est le 15. Donc déjà, j'ai attendu 20 minutes. Oui, bonjour. Pardon de vous déranger parce que je sais, il y a des gens, ils ont la Covid. Si vous êtes Covidé, tapez 1. Non, je suis pas Covidé. Est-ce que c'est pas VG Dream qui a fait une chanson qui s'appelait Covidé? VG Dream? Ouais. C'est quoi ça? C'est un chanteur qui a chanté « Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez, 20 ans après c'est le moment. » Je vois pas du tout. Eh, c'est pas grave, c'est, ouais. Franchement ça fait rien. Bref, je vous appelle parce qu'en fait j'ai mal au sternum. Mm-hmm. Très bien, si vous avez mal au sternum, tapez 2. J'ai appuyé sur ma bonnette. Et puis, je sais pas quoi faire et ça veut pas s'en aller. Donc, si vous voulez bien me dire qu'est-ce que je dois faire. Et le man est venu, il m'a fait un électrocardiogramme et il m'a dit « Hé, Surette, tu viens de faire un infractus de stress. » Un infractus? Je suis sûre. Une infraction du tus. Je savais que j'allais rigoler. Mais c'est grave quand même ce que t'as fait. Ouais, ouais, je sais. Tu sais que t'es peut-être morte. Non, non, non. Mais ça, je me demande aussi souvent. Si, par exemple, on existe ou pas.
Et c'est ton... En fait, chaque invité a une friandise. J'ai des gâteaux. Ah non. Devine au bruit. On dirait ça que fait... je t'ai mis les croquettes du chat. Ça fait vraiment... Ben, j'ai cru que c'était une boîte de croquettes. Ouais. Mais ça me déplairait pas. À ton avis, c'est quoi? Tu les mangerais? Des croquettes? Ouais. Non. T'as déjà mangé sans des croquettes? Sans vouloir te vexer. Oh. Pas très tu croquettes. Tu sais que c'est pas contre moi. T'as jamais mangé de croquettes? Non, quand j'étais petite, j'ai goûté la pâtée du chien, évidemment. Et alors? Ça ressemble à tout un tas d'autres trucs. Hein. Bah, c'est du pâté, en ouais, fait. Ouais, voilà. Hein. C'est marqué chien, mais ouais, bon. Voilà. Ouais. Mais ils ont fait un test à l'aveugle sur des gens. C'est pas Quentin qui me racontait ça? Qu'ils ont fait un test à l'aveugle sur des gens avec de la pâtée pour chat et du pâté. Déjà, le fait de féminiser... Pourquoi de la pâtée et du pâté pour adultes? Ah, c'est vrai. Ouais, pour adultes humains. Alors que les chiots ont droit à la pâtée. C'est bizarre quand même. Trop chelou. Donc, alors, de la pâtée? Non, c'est pas de la pâtée. Du mou. Du houmou. Tu sais pas? Non, je sais pas. C'est chiant. C'est chiant, dis-le-moi, fais-moi mon chiant. Cadeau, putain. Ouais. Tiens. Oh, ça a l'air dégueulasse, je te remercie. Est-ce que tu peux décrire pour... Parce que c'est un podcast. Oui, d'accord, oui, bah oui, les gens voient pas non. Que c'est affreux et que j'ai l'air gênée. C'est des bonbons chimiques avec une boîte où c'est marqué Extra Fun Carrefour. Voilà, ça vient de Carrefour, en fait. C'est probablement de la gelée de porc compactée. Tiens, vérifie. Bah, j'ai pas mes lunettes. Ah, moi non plus, attends. T'es vieille. Par contre, je suis capricorne. Alors, assortiment de confiserie gélifiée aromatisée, nananinana. Mais là, ça c'est bon. Ah, gélatine de porc. Ah oui, c'est en troisième. Ouais, donc ça veut dire que c'est énorme. Il y a sans doute des gencives et tout là-dedans. Ah, si, si. Je vais même pas l'ouvrir, je te préviens. C'est vrai? Ouais. Je me demandais, ça serait quoi ta réaction par rapport à tout ce qui est réglisse? Bah, tu vois, le dégoût. Ça sent à travers. Et généralement, c'est affreux. Comme même dans à tout, travers la c'est boîte. C'est pas bon signe. C'est infernal. Franchement, si ça sent à travers, quelle que soit la situation. Je pense que tu manges tout ça, mais t'es plié en deux. Tu fais un infractus. Non? C'est vraiment, en plus, c'est une grosse boîte. C'est une grosse tu boîte. T'es ruiné. L'émission, c'est ruiné. Ouais, c'est sur mes deniers personnels. Est-ce que tu vas réoffrir la boîte au prochain invité? Alors, si, ça n'est jamais arrivé. Ah bon? Mais. Bah, comme je l'ouvre pas et que vraiment je la rejette. Tu fais un rejet de greffon. Je fais un rejet de greffon avec cette boîte. Donc, moi, je dis pour le prochain. Tu c'est qui le prochain? C'est BG Dream. Non. Tiens. C'est super VG Dream. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, bah offre-le à VG Dream. Mais non, mais il vient pas. C'est ah, pas dommage, lui. Dommage. Je vais lui envoyer à sa maison de disques. Ouais, salut VG Dream, c'est SML. Ouais, ouais, c'était pour te dire. Ouais, j'adore ce que tu fais. Ouais, sur tout le titre. Tu sais, les gens, c'est trop long leur truc. Ok, bah tu sais quoi, je vais offrir cette boîte de bonbons à la prochaine invitée. À présent, je voudrais. Parce qu'en fait. Je t'explique. J'ai fait un live l'autre soir sur Instagram et je sais pas pourquoi, il était 1h du matin et j'étais sur un site de bains de thermes en Allemagne et j'ai commencé dans mon live à lire ce qui se disait en allemand dans le live. Et après, les gens m'ont dit « Ah, mais tu reçois Rebecca Warrior mardi, je pense qu'il faudrait que tu lui donnes à lire. » J'ai donc imprimé... C'est vraiment salaud. C'est salaud. Salaud. J'ai imprimé en noir et blanc, hein, parce que quand même, bon, il y a des pages un peu qui servent à rien, tu sais. C'est génial. Je vais lire le derrière. Attends, mais il faut que tu lises là, parce que c'est mieux. Je pense que c'est plus marrant. Donc, je te passe la page de garde. Ein wahres Sonnenparadies mit neun Schwitzbadern. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air super pareil. Ça a l'air super bon, pareil. C'est en noir et blanc, donc ça fait un peu peur là, mais. Bah, en même temps, je sais pas, en fait, quand on regarde vite fait, ça a l'air magnifique. Et quand on regarde de près, ça a l'air d'être un EHPAD. Un peu. Le grand hall là, non? Ils vont pas nous inviter déjà, ça c'est sûr. Ah merde, c'était pour que tu te fasses inviter que je vais lire ce truc. Bah ouais. C'est pour ça qu'on se disait tout à l'heure pourquoi on n'est pas riche. Bah voilà, parce qu'on foire tous les plans promo. Vas-y, lis-nous un petit peu, fais-nous rêver là. Ein arabisch sauna. Ah bah c'est pas un sauna en fait, c'est un. C'est un hammam. Ah oui. T'as dit comment? Ein arabisch sauna. Mais en fait, je parle hyper mal allemand. Non mais là, tu t'en sors. Arabisch sauna.
eine andalusische Aufkommenszone. Die besondere Eisensteinzone. Ça a l'air génial. Ein Engener Damenbereich sowie eine... Engener? Ah ouais. Je ne sais pas du tout ce que ce mot veut dire, par contre. Tu veux que je continue? Bah, tu peux, bon. Sophie, eine weitere gemischte Zone mit Dampfbad. Mm-hmm. Voilà, ça veut dire que les chiens ne sont pas autorisés. C'est ça qui est écrit? Dans les pads, à l'intérieur de l'ensemble de les pads. Mais c'est pour ça. Voilà. J'ai dit, allô, can I meet my petit chien common? ils m'ont répondu, néné. Néné, ils t'ont dit. Mais est-ce que tu sais, tu saurais commander un Döner Kebab en Allemagne au moins? Eine Döner Kebab avec oignon. Mit Onion. Je sais même pas c'est si pas on dit oignon. Que... Non. C'est pas parce que tu dis avec une tête mignon que c'est ça le mot. Mit eine große Onion. Mit Zwiebeln. 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 Bon, ben de toute façon, ça tombe bien, j'aime pas trop l'oignon. Okay. Mit sauce ou ohne sauce? Ohne sauce. Okay. Ou alors de la mayonnaise. Ah bon? Bah, comme tout le monde, non? Dans un kebab? Bah oui, mayo à toutes les sauces. Non, attendez, pause. Pousse. Tout le monde se calme. Tout le monde redescend. Je bois dans mon... Bois dans ta tasse, chien. Qui? Qui? Et en quelle année? Tu as pris l'accent allemand? Je n'y crois pas. Pour me poser la question de la mayonnaise. Mais moi, je suis alsacienne, donc tu sais, c'est pas loin. Ah. Moi, je suis à moitié en train de dire hey, « on va vous rendre à l'Allemagne !» Ça fait 60 000 ans qu'on fait ça. C'est pour ça que tu t'y connais en messe et en tout ça. Mais c'est pour ça. D'accord. Que je sais que les gens du Grand Est, ça passe ou ça casse. Tu connais Ichbin. Je connais Ichbin, le groupe Ichbin. Ouais, ouais. D'ailleurs, Pamps, s'il te plaît, excuse-moi, est-ce que... Ça va, toi? Super, excellent. La famille, tout? Tu prends un peu de vacances cet été? Un peu. Ouais. Ouais. C'est pas facile hein, en ce moment. Hein. On travaille dur. Ouais, je sais, ouais. Est-ce que tu peux regarder si tu trouves le groupe Ichbin? Ichbin. J'adorerais écouter Hyper Massacre. Ouais, j'aimerais bien Hyper bah, Massacre. Je pense que ça se trouve. Hein. Parce que ça parle d'un mec qui va dans un supermarché alsacien. Et Mais ne t'excuse pas. Pardon. On dirait pardon, que tu pardon. Savais pas si tu avais le droit de dire que t'es une personne le mot noire. Alsacien. Tu sais. Alsacien. Et tout est périmé. Salut, je m'appelle Dani. Je vous parle depuis l'au-delà. Quand j'étais encore vivant, c'était vraiment la merde. On a le droit à 18 secondes. Ma femme s'était barrée avec l'autre enculé. Papa, pourquoi maman elle est partie avec tonton Pascal? En fait, c'est ça. Il y a le problème, bah, tout le problème du Grand Est, il est résumé dans cette intro de chanson. Dans ces 18 secondes. C'est-à-dire qu'on a envie, mais on sait pas comment, le plaisir et tout, tu sais. Tu vois? Nous, on se dit, si on a le droit de marcher dans la rue, déjà, c'est pas mal, tu vois. Et après, on ne demande pas à ce que les commerces y soient ouverts et qu'il y ait de la vie et des trucs, des boissons sucrées. Bah, tu vois, dans cette chanson, dans le supermarché, dans l'hypermarché, tout est pas bon. Et ça tue ses enfants un par un. Donc voilà, je pense que c'est ça le... La vie de l'Alsace. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as entendu cette chanson? Pas du tout. D'accord. Mais par contre, j'ai souvent fait référence à ça sur scène, avec Sexy Sushi. Avec Mitch, on aimait tellement que ça... Des fois, on rechantait du Ichbin sur scène. Oui, je vois bien la DA. Ouais. Une DA assez cousine. Voilà. Dont une phrase où il répétait sans arrêt, « Combien t'as bu de schnapps ?» Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aurais dû ramener mon schnapps. Ouais. On m'a offert un schnapps de framboise. Eh ben, je peux te dire qu'il y a un avant et un après. C'est quand la dernière fois que t'as été le plus saoul de toute ta vie entière? La semaine dernière. Non, je sais pas, le plus saoul de toute ma vie entière, c'est la fois où je t'avais appelé, Maud, pour te redemander le code de mon portail.
Aïe, 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 aïe. Et j'avais dormi devant ma porte. Parce que t'avais demandé après ? Bah, j'avais demandé, j'avais appelé, mais si tu veux, déjà, j'ai réussi à appuyer sur la touche du téléphone, mais Maud, elle dormait. Ça, c'est une règle, on décroche pas aux gens bourrés. Et donc, j'avais dormi devant mon portail. Très, très, très vilain, quoi. Très vilaine soirée. Ah, j'avoue que... Est-ce que après, t'avais vomi par le nez ou pas ? Non. Tu vomis pas, toi ? Non, je vomis ouais, pas, j'en ouais. étais sûre. Tu vois, ouais. Il y a deux écoles, ça, tu gardes tout. Et quand t'es malade de où ? Du gorge ? Non, pas du tout. De la pâté ? De la pâté ou du pâté ? Est-ce que t'es malade de la gorge ou est-ce que t'es malade du ventre ? Je suis pas malade. Non. Je suis malade de la tête. Mais ça, c'est tout le temps. À part ça, ça va. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la tête aussi. Tu penses même pas cette quoi. Partie-là. Je nous vois comme des poules. Tu vois, on nous la coupe et on continue de courir dans tous les sens. Ouais. C'est vrai ça ? Que ça arrive ? Ouais. Ah oui, oui. Ah. Bon, pas non plus 2h30, hein, tu vois, mais parce au bout d'un moment. Elle... Les anguilles, c'est vrai. Moi, je voyais ma mère qui coupait les têtes d'anguilles dans l'évier. Pourquoi ? Ben, parce qu'elle les mangeait pas, donc obviously elle les coupait puis elle les mettait à la poubelle. Ouais ouais, mais ma question c'était pas ça. À Ranchard, j'aurais fait d'accord. C'était quoi donc ? Ma question initiale c'est pourquoi elle coupait des anguilles dans l'évier ? Ben tu pour les mettre au four. Non mais ok, on va reprendre tout. Tu vois une carte de France, carte routière, on va tout la déplier. D'accord. Pourquoi il y avait des anguilles dans l'évier ? Ouais. Ben, elle les avait achetées hein, pour les mettre au four. Donc, elle coupait la tête. Donc, vous mangez de l'anguille ? Je crois. C'est bon ? J'ai pas souvenir, j'ai vraiment souvenir du machin qui bouge dans l'évier. J'ai pas souvenir trop du goût. Mais parce que si elle l'achetait, pourquoi elle demandait pas, par exemple ? Ah, est-ce qu'on coupe la tête ? Est-ce que parce qu'elle les voulait bien fraîches jusqu'au bout. Pardi. Oui, pardon, excuse-moi. Moi, je vais pas. Parce qu'elle les met, tu vois, encore frémissantes dans l'eau bouillante ou dans le four. Enfin, je ne sais pas comment on prépare des anguilles. Mais c'est ça ma question. Bah, elle les veut le plus frais possible, donc elle les ramène bien vivantes et puis après, plaf. Continue de nous expliquer ça. Moi, je vais taper anguille recette. Pendant que... Est-ce que ça, c'est quoi l'accompagnement des anguilles ? Avec quoi ça se mange ? Du persil et de l'ail. Enfin, tu vois, une sauce, un truc comme ça. Quoi. C'est non, pas mais... ça, accompagnement. Non, mais pas avec des frites ou un... Tu vois, ça se mange pur. Ça se mange un peu... pur. C'est considéré comme un poisson, l'anguille ? Bien sûr. What else ? Oui. Non, un gibier. Bah, je sais pas, moi, c'est quand même un serpent. Non, 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 c'est pas du tout un reptile. Tu crois ? Bah, vérifie. Attends. Non, mais c'est évidemment un poisson. Bon, et dis donc, déjà, tu vas quitter ce petit ton. Bon, je commence par taper anguille. D'accord. Anguille, non, pas du tout. Anguille d'Europe, anguillette. Elle anguille d'Europe, ah c'est dégueulasse. C'est dégueu, et bébé c'est des civelles. Et moi je bouffais des civelles aussi. Tu sais c'est cette espèce de mini truc tout blanc, genre 7 cm. Blanc ? Très blanc, avec deux yeux genre argentés. Mais ça c'est pas les poissons d'argent qui courent dans la salle de bain quand c'est humide par terre ? Ah non, rien à voir. Non, la civelle c'est le bébé anguille. Quelle taille ça fait monte avec tes doigts ? Ça. 10 cm. Ouais. Et c'est ça grouille en fait quand t'achètes les civelles comme ça, il y en a plein puis genre, ils en bouffent beaucoup au Japon. Ça se mange vivant aussi je crois. T'as grandi à quel endroit du monde ? Parce Osaka. Qu'on dit, on dit le Grand Est, mais là, pardon, moi, ma mère, elle zoquait pas des anguilles dans l'évier. J'ai grandi dans une île avec personne. Et ma maladie mentale, et mon EHPAD, et ma pâté, et mes civelles. Mon nom est personne. Mon nom est personne. Pas de famille, pas de mari, pas de patron. Ok, alors l'anguille, je suis dessus, nanana, la famille des anguillidés. Bon, déjà, c'est pas un poisson. Elle mesure de 40 cm à 150 cm. 1m50, hein. 1m50 d'anguille. Ah, et pèse jusqu'à 4 kg pour les femelles. C'est un grand migrateur. Et plus précisément, attends, je me gratte avec ma bonnette, un migrateur amphiphalin. Non. On dirait moi qui parle allemand. Amphiphalin. Amphiphalin. Non. Amphi Alain, Madeleine.
qu'elle bouffonne. Je me fatigue. Thalassotoc, et ça, c'est vraiment ce qui est écrit. Et Catodrome. Et ils nous mentent. Vous avez changé l'Instagram pendant que je commençais à lire. Adeline, qui est très, très forte en web, elle a refait le Wikipédia en guille. Incroyable. Est-ce que la civelle est le bébé? Attends, je vais voir. Alors, parce que là, ça me dégoûte vraiment. Édouard Manet a peint une anguille. Voilà. Civelle. Tellement civelle. Je l'aime tellement si fort. Civelle, c'est... Oh, dégueulasse! Quelqu'un dit que j'ai grandi à Koh-Lanta. J'avoue. T'as fait le totem d'immunité. Putain, je regarde pas Koh-Lanta, en fait. Donc, j'ai pas de... Quelqu'un peut me donner des blagues de Koh-Lanta, s'il vous plaît. Les civelles, c'est des chips. Non. Non, je crois pas, non. Ah, attendez. Civelles. De son nom occitan, Pibala. Mm-hmm. Sont des noms régionaux désignant la levain de l'anguille. Ah oui. Ah, voilà. L'alluvion. L'alluvion. Aussi appelé l'alluvion. Et tu sais, c'est par poignée. Tu peux manger ça dans des petites soupes. C'est vraiment terrible. Ça grouille. C'est spécial, hein. Ça te manque de... C'est quand la dernière fois que t'as mangé ça? Ça fait un moment parce que c'est hyper cher en France. En plus? Ah oui, c'est le... C'est genre... le pétrole de la mer. Caviar. Caviar de la mer, merci. J'étais pas du tout, je trouvais pas du tout. Pétrole de la mer, c'est, tu sais, les paquebots qui échouent, quoi. Ah ouais, voilà. C'est pas bon. Pas bon du tout. Moi, je suis pas très forte en proverbe, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment cher, et du coup, comme nous, on est vénaux. En France, on les vend directement, donc on n'en mange plus. Maintenant, on les revend direct aux Japonais. Écoute, je pense que ça me manque pas. Bah après, ça peut pas nous manquer quelque chose qu'on n'a jamais connu, mais toi qui as connu, ça te manque pas? Bah si, j'aimais bien avoir l'occasion de pouvoir. D'accord. Tout en refusant. Ah ouais. Anastasie et Javotte, quoi. Je te jure. Eh, c'est quoi le truc le plus cher que t'as volé? Oh waouh, j'ai volé tellement de trucs. À part le cœur de tes fans, je veux dire. Oh, trop beau. Ah, t'inquiète. J'ai volé, je sais pas, en fait c'est plus que sur la longueur, tu vois. Comme je vole vraiment tout le temps, je pense que j'ai économisé une année de salaire peut-être. C'est pas vrai. Bah vraiment les courses, j'achète une éponge et je remplis le frigo. Mais comment tu fais? Tu vas aux caisses automatiques? Non, je vais voir des vrais gens. Mais tu mets dans tes manches. Avec le sac, il veut gling, gling, gling. C'est vrai, t'as des entrecôtes sous les aisselles. Non, je trouve ça assez rigolo. Donc. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais j'aimerais connaître ta technique parce que... Bah, technique, j'ai rien volé. Faites-moi confiance. Ah ouais, comme ça. Et puis, beaucoup parler aux gens de la caisse. Vraiment leur prendre la tête. Leur parler. Oh, j'aimerais trop voir ça. J'aimerais trop voir, tu sais, ta tête de joviale, là, en train de dire... On a de la chance, hein, quand même, pour un mois de mars. Ah, il fait beau, hein, bah quand même, il fait beau. Ça va? Vous travaillez demain? Oh, bon, j'ai pas la carte du magasin, vous savez, moi, les points. Hop, tu parles, là, cac, et puis ils sont contents que tu partes, et puis là, gling, 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 voilà, mon éponge, je l'ai achetée. Ah ouais. Mais tu voles de la viande et tout? Non, parce que je mange pas de viande. Ah ouais, d'accord. Pourquoi tu fais une tête? Parce que l'autre jour, il se trouve que j'ai mangé quand même du cochon. Parce que c'est de la viande, hein, tu sais. Oui, j'ai fauté. Ah ouais. Voilà. Donc, j'ai une vilaine mécréante et j'irai faire la teuf dans les limbes. Mais non, mais voler un truc cher, je sais pas. Plutôt vol continu régulier. Ouais. Un long fleuve de vol. Ouais, un long fleuve de vol tranquille. Ouais. Et toi? Moi, j'ai volé un ensemble de sous-vêtements Roberto Cavalli. Je sais pas. C'est de la marque. La marque. Ouais, c'est de la haute couture. Bon, il était trop petit, mais j'étais contente de le voler quand même. C'est quand même c'était un billet de 300 francs suisses à l'époque, je crois. Ah, oh, c'est pas mal quand même. Ouais, c'était beaucoup. Ah, ça fait, attends, 300 francs suisses, ça fait 1200 francs, anciens francs. Et merde. 1200 francs. Wow. Ça fait 60? Non, ça fait 120 euros. Bah, c'est pas foufou, hein. Attends. Non, c'est là que je vois que je suis vieux. Avec avec la conversion, tout ça. Est-ce que t'es content d'être un peu vieux ou pas? Ouais, moi j'aime bien vieillir. Ouais. C'est quand même mieux, hein. C'est quand même vraiment mieux. Ouais. J'étais si mal. Ado, là, bouh. Être pas vivante alors que... Ah, pour rien au monde, je retournerai au lycée.
Ouais, pareil. Mmh. Sauf peut-être pour... Non, en fait, j'allais dire l'odeur du bus quand il fait chaud en été. Tu sais que tu, en fait, tu montes dans le bus et après tu te dis, tu sais quoi, je vais pas en cours. Non, parce que dans le bus, il y a forcément un connard qui t'a traité de poufiasse. Ah ouais. Voilà. Au lycée, c'était raide. La personne est encore vivante? J'espère pas pour elle. Oh, tu l'as pas invité à manger des anguilles des si belles. Oui. Non, mais j'espère qu'il y avait quand même un petit peu de beurre, un petit peu de trucs à côté de tes anguilles, parce que moi, ça me fait pas envie. Mais bon, après, chacun son... Est-ce que t'as une politique particulière quand t'as un bouton? Faire comme si j'avais pas de bouton. D'accord. Mais j'ai un copain qui a essayé une fois de mettre du dentifrice dessus, parce que c'est noté que ça marche, et puis il l'a laissé trop longtemps et il s'est brûlé la peau de la joue, et puis il a une petite marque maintenant. Mais non, à cause du dentifrice. Ouais. Ouah. Bah parce que ça brûle. Faut le laisser genre, enfin d'ailleurs je sais pas. Ouais, 10 minutes quoi. Non mais déjà faut pas faire ça. C'est comme la dame blanche à un moment donné, à force que pas la coupe de glace, mais la personne. J'avais j'étais là-dessus. En fait, ça n'existe pas, tu vois. Et à force que personne ne dise, ça n'existe rien, pas. Ouais, voilà. On se fait croire que machin, pareil pour le dahu, c'est les grosses bêtes de la montagne. Là, quel rapport avec le dentifrice ? Eh ben que en fait c'est une légende urbaine. Ah ok, tout se recoupe. Hein. Tu veux dire que c'était trop long? Je crois que c'est trop long ce que je raconte. C'est très métaphorique ton émission. Oui. Ça... On part en vacances en métaphore d'ailleurs. Ouais, on est là, on bouge pas. On bouge pas, mais alors ouh, c'est un tapis volant de vacances. On prend plein d'anxio et puis voilà, on dort un petit peu, puis on part en vacances. Ça coûte moins cher et puis on a des gens qui nous font des ordonnances, donc on est bien. est-ce que dans ta politique de politesse, déjà, est-ce que t'es poli? Ah oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça te rend pas fou des fois quand les gens ils sont pas polis? Ça me rend dingue. Ah putain. J'ai retrouvé une chanson de Sexy Sushi hier qui s'appelle La politesse. Et qui est un inédit, je l'ai renvoyé à Mitch, j'étais mort de rire. Et ça fait, il faut être bien poli sinon le voisin nous punit. Voilà. Et c'est l'histoire d'une meuf qui se retrouve butée et enterrée dans sa cave parce qu'elle a pas dit bonjour au voisin. Donc la politesse, tu vois... Je suis bien d'accord. Là, ça peut me faire pleurer. Les gens pas polis. Ça rend dingue. Ah ouais. Ouais. Compliqué, hein. Parce que je voulais te poser la question suivante. Est-ce que tu dis à quelqu'un quand il t'a craché dessus? Quelqu'un m'a craché dessus? Non, attends. C'est pas le mot. C'est pas le verbe. Est-ce que tu dis à crinquin quand tu te rends compte que crinquin t'a postillonné dessus? Ah, postillonné. Ouais, non, pas craché. Stricto sensu. Je lui dis, tu m'as postillonné. Ah, tu dis? Ah ouais, je lui dis. T'oses? Ouais. Ah ouais? Ça chuchote là, ça me perturbe. Mais pourquoi ça chuchote là? Qu'est-ce qu'elle dit? Au fond là, s'il vous plaît. Vas-y, moi, c'est un examen officiel. Elle m'a postillonné, miam. Non, mais si vous voulez intervenir par ailleurs. Non? Certainement pas, on m'a répondu. Genre, j'ai le marquis de Sade. Le marquis de Chadé. Le marquis de Chadé. Oh, j'adore. Je savais que ça allait te plaire. Moi, j'ose pas trop dire quand on me postillonne dessus. Ah bon? Même avec la Covid et tout. Ah ouais? Ouais. Parce que... quand même, c'est craignos. Enfin, ouais, tu vois, quelqu'un qui te... Ouais, moi je pense que je le dis. Ou alors je fais vraiment un regard insistant sur le postillon, puis sur la personne. Oui, mais généralement... Non, mais attends, le postillon, il est... Parce que là, tu regardes ton avant-bras. Oui, bah si c'est sur ma tête, je peux pas regarder c'est le postillon. C'est pour ça que je te dis, parce que généralement... Là, je le dis. Non, mais les gens qui te postillonnent, généralement, ça va de pair avec, comme le menu terre et mer, un accord... un accord. qui fait... qu'ils te positionnent sur la gueule parce qu'ils te parlent trop près, ces gens. Ah non, mais parce que tu parles des gens qui percent ta bulle personnelle. Exactement. Et ça, c'est interdit. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est pas possible, ça me rend dingue. Pareil, bah, au lycée, il y avait un type qui perçait ma bulle sans arrêt. Ce genre de personne. Tu en as parlé à la police. qui te parle vraiment à un centimètre de la tête. Et toi, tu te recules jusqu'à temps que tu tombes sur un mur. Enfin, c'est... Une ravine. Ouais, une ravine. Ah c'est là stressant. Que tu allais cueillir des anguilles. Voilà.
Mais j'ai l'impression que t'as des doses de gens du lycée. T'avais quand même des amis au lycée ou pas? J'avais surtout une grosse coupe de cheveux à assumer. Donc j'avais moyen d'amis, ouais. C'était quoi ta coupe de cheveux? J'avais la fameuse coupe plateau. Est-ce que tu peux décrire la coupe plateau pour notre audio guide, s'il te plaît? Alors en fait, j'ai les cheveux quand même assez crépus. Et donc, afin que ça fasse pas une boule, j'avais décidé de les laisser longs, mais rasés à la moitié de la tête, comme maintenant, mais en fait avec long. Ah. Et au lieu de... Parce que je pensais que ça allait retomber. Ah ouais, ouais. Mais en fait, ça retombait pas. Parce que c'était pas assez long. Poussé d'Archimède. Voilà, et ça poussait en horizontal, tel un plateau. Mais non. Si, ça poussait comme ça. Donc j'avais une espèce de, tu vois, de plateau sur la tête. Et j'avais pas énormément de succès avec cette coupe. D'accord. Donc peu d'amis. Mince. À part celui qui perçait ma bulle. Ah, c'est et qui m'avait fait tomber dans une ravine une fois. Tout se recoupe. Ça va finir à mettre plein de post-it sur le mur en disant « Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire ?» Dans mon école de Koh-Lanta. Mais quand est-ce que t'as arrêté d'avoir cette coupe plateau ? Eh bien, quand j'ai compris que j'étais lesbienne. D'accord. Voilà, aucun rapport. Ouais, parce que tu n'as pas fait « Waouh ! Waouh, je suis lesbienne !» Et là, tac, mes cheveux sont devenus magnifiques. Une fée, une déesse. Ouais, j'ai pas compris, mais j'ai accepté. Est-ce que c'est toi qui te coupais les veuches? Tiens, je me rappelle pas. Non, je pense pas. Tu fais un déni? Ouais, je fais un déni de coiffeur. Oups, oups, oups. Alzheimer. Propreté. Oh là là, je cliquette. Attends, laisse-moi deux secondes. Je me cliquette aussi, ouais. Comme d'hab. Hop. Je voudrais savoir comment c'était ta coupe après le plateau. Quand je suis devenue une bombe sexuelle. non, rien, c'était pareil, mais plus court en fait. Juste, j'y allais bien dans ma tête, je crois. Il y a eu un avant-après. Est-ce que tu pourrais nous envoyer une photo de ta coupe plateau? Je peux parce que ça a failli devenir la pochette d'un album de Sushi. Mais non. Donc on les a gardés avec Mitch qui avait sa tête de joueur de jeu de rôle. Ah ouais. Voilà, tout le monde sait ce que c'est que cette tête. Après, il y a jeu de rôle et jeu de rôle. Il y a jeu de rôle le premier. Ouais, mais même, en fait, non, il y en a trois. Le premier, toujours. Ah. Putain, à pyramide, toi et moi. Vas-y, attends, j'essaye de te faire deviner un mot comme à pyramide. Ok, j'adore. Chaussures. Non, c'était ça en plus. Ah putain. Attends, j'essaie de t'en faire deviner un autre. Vas-y, c'est bon. C'est un verbe. J'ai le droit de dire ça ou pas? Je sais pas. Je sais pas. En trois briques. D'accord. Je suis plus BA13 moi, mais c'est pas grave. Alors attends, en trois briques, un verbe. Attends, déjà essaie de le deviner en me regardant. Ah d'accord. Non, ça marche pas. Dans ta bulle. Attends, parce que je dois poser une question à Pyramide? Bah ouais. Ok, mais j'ai le droit à vraiment une question large. Ouais, ouais. Est-ce que ça consiste à, par exemple, engouffrer des anguilles? Non. Avec la bouche? Non, non. Non? Donc c'est mais pas manger. Je dis oui. Ah, ouais. Ça aurait été manger. J'aurais dû dire oui, putain. Bah ouais. Non, non, non. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je peux pas, moi, dire des trucs, je crois, à Pyramide. Hein. Non, je dois juste claquer mon cul et attendre. Alors, deuxième brique, est-ce que ça consiste à faire des gros yeux? Non. Non, c'est ce que j'essaye de te l'envoyer en télépatchi. Ouais, mais ça n'a jamais trop bien marché, ça. D'ailleurs, Patchy, on l'embrasse, je ne sais pas où il est. Et troisième brique, j'essaie d'avoir des indices. Mais ils ne savent pas plus comment. Non, bah non, c'est vrai, ils ne sont pas dans ta tête. Putain, je sais pas. Est-ce que ça consiste à un signe astrologique? Non. Astrologiqué, je pensais. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment qu'on joue jamais à Pyramide ensemble ou même à Time's Up. Je pense que ça marchera pas plus. On n'aura pas. Le verbe, c'était pédaler. Ah merde. Ouais. Tu me regardais parce que je suis une pédale. Waouh. Waouh, c'est trop clivant. Waouh, wow. Comme je me suis dit, pédoule, pédoulée. Non, je sais pas d'où ça m'est venu. Je pense que c'est mon greenwashing qui m'a fait dire que c'était le moment de, tu vois, de reprendre sa vie en main.
Bon, bah, je suis désolée, on a perdu. On n'aura pas le dictionnaire, l'encyclopédie en 10 volumes. Tu veux essayer, toi, de me faire deviner quelque chose ? Non, surtout pas. C'est vrai ? Ah, d'accord. On refuse l'obstacle. Ouais. Caramel rentre à l'écurie. Oui. Hey, t'as déjà fait du cheval ? Bien sûr. C'est vrai ? Pourquoi bien sûr que quoi ? Non. Ça se voit, non ? Bah. Bof. J'ai eu un sabot. Je sais pas ce que ça veut dire. Un sabot, c'est comme les flèches et les flocons en ski. Les sabots d'or, d'argent. Un chamois. Un chamois, voilà. J'ai eu un sabot. Je me rappelle plus quelle couleur. Mais t'es sûre, c'est un truc, les sabots ? J'ai jamais entendu ça, moi. Peut-être. En tout cas, à Koh-Lanta, il y avait les sabots. Non, mais franchement, ça s'existait pas. Si, yeah. Mais non. Si. Je pense qu'il n'y a aucune personne dans les auditeuristes. À bientôt de te revoir. Ah, c'est un galop, merde. Ouais, voilà. Espèce de vieille folle, va. Un sabot. Oui, mais à Koh-Lanta, c'est pas pareil que chez vous, ça va. Acceptez la différence. Donc, t'as jamais fait de cheval. Si. Mytho. Oh. Donne-moi une preuve, t'as fait du cheval. Bah, mon cheval, il était sourd. Et je gagnais parce que quand il y avait de l'orage, tous les autres étaient nuls. Mais tu gagnais à quoi ? Bah, mes coupes, mes sabots, mes compètes. Laissez-moi. Comment tu mettais ton casque ? Ma bombe. Ah ! Tu vois, c'est là la preuve. Parce que est-ce ta bombe, tu la mettais sur ton plateau ? Je la mettais sur mon plateau et elle avait du mal à se... À s'engouffrer, ouais. Comme dans les anglais. Mais par contre, j'avais pas des chaussures de cheval, j'avais des boots de marin, enfin des bottes de pluie, parce que mes parents n'avaient pas voulu m'acheter des pompes de cheval. Bottes de pluie pour faire du cheval, c'est pas très confortable, hein, je crois. Hein. Non, mais bon, je pense qu'on était plusieurs à avoir ça, tu vois. Ah ouais. J'avais un équipement nautique. D'accord. Bah, en tant que capitaine ad hoc, d'ailleurs. Voilà. Tout se recoupe, en fait, finalement. Je te jure. Non, mais toi, tu m'en fais. Hein. Je saurai jamais. Imagine, je vais être ta biographe. Ce serait super que... Comment je fais ? Qu'on prenne les infos d'ici et d'ailleurs. Tu vois, tu l'approches. Je suis pressée. Hein, Invitée dans une vraie émission, tu sais, avec des gens genre qui disent « Bonsoir » et tout de suite, il est 20h01 et nous accueillons tout de suite Rebecca Warrior parce que... Pour le coup... La Warrior. Aïe, aïe, aïe. La voilà, la voilà. Filaine. C'est... Profites-en parce que c'est pas tous les jours que tu iras lire de la documentation en allemand, en noir et blanc. C'est vrai. Sur des termes à Saarland. Attends, mais moi aussi j'ai envie de lire un peu du coup. Je vais lire la page de garde. Tout ça pour me ridiculiser. Non, pas du tout. Non, franchement, j'ai galéré. Eine wahre Zona Paradis mit neun Schwitzbädern. Mais non, ça c'est ce que t'as lu toi. Oui, j'allais dire, ça se ressemble, quand même. Mais quel mytho. Eh, mais toi, hein, toi, t'es vraiment une chippie. Ah, regarde, il y a des photos imprimées du sauna en couple. C'est pour ça, parce que moi, je m'en foutais des photos, mais il a mis l'imprimante, j'ai mal fait. Alors, Forur Begehen Geschlossen. Ah oui, parce que c'est fermé en ce moment. Donc, sur la page d'accueil, ils ont dit que c'était fermé. Tu m'écoutes pas ? Non, pas du tout. Pardon. Au groupe de mots, tu m'écoutes pas ? T'as répondu ? Non ? Pas du tout. Imagine. Fais attention. Die Saarlandtherme ist vorübergehend geschlossen. Bon, wir informieren. Tu l'as déjà lu ça ? Vas-y. Non, tu l'as pas lu. Non, toi. Non, mais attends. Mais hé ! Mais t'arrêtes. On est en montée de sucre, j'ai l'impression. Alors, sie recht zeitig über die Wiederöffnung. Ça, c'est bon. Gutschein, ça, c'est des bons. Ça, je sais ce que ça veut dire. Dès qu'il y a une réduction. Rabatt, ça veut dire solde. Solde. Et Gutschein, c'est un. Comment on appelle ça ? Un voucher. Un quoi ? Un voucher. Pardon. Un voucher. Un bon de un réduction. Boucher. Non. Est-ce que t'as déjà fréquenté des bouchers? Oui, carrément. Tu mens ou pas? Non. Au lycée, figure-toi que j'étais dans la classe d'un type dont le père était boucher. C'était un champion du monde de skateboard. Le père? Non, il était boucher le père. Mais tes histoires, on dirait des rêves quand on a la grippe. Parce qu'en fait, j'ai le Covid depuis 42 ans. Et du coup, ça a atteint vraiment mon mental. C'est ton... Ouais. Mais ça, c'est vrai, par contre. T'étais un primo-accédant du SRAS. Ouais, c'est ça.
Tu l'as eu, la Covid ? Bien sûr que non. Non. Tu as envie ? Ah non, ça ne me concerne pas. Hein. Ouais. T'as rien à voir là-dedans. Non. D'accord. J'ai une question extrêmement importante à te poser concernant un habitus que tu pourrais avoir dans la vie. Mm-hmm. Cette question, c'est la suivante. Quelle olive es-tu ? Trop bien ! La Luc. En plus, j'avais une réponse. Comment t'as fait ? Bah, en fait, je sais pas, j'ai senti que t'allais me poser ça comme question. T'es trop contente. Je suis hyper contente, c'est la meilleure question. Pourquoi tu serais celle-ci ? Les Luc, vous savez, c'est les bien fermes, vertes, hyper bonnes. Ah, les viennent... grosses là un peu. Ouais, voilà. Les grandes là. Pas les hyper grosses, les moyennement grosses. Ouais. Mais délicieuses. Genre dans la norme. Dans la norme. Et elles sont faites dans un endroit qui, je pense, s'appelle Luc. Non, ça doit être la région en Italie qui s'appelle comme ça. Je ne crois pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment cette olive-là que je suis. Mais est-ce des fois tu te dis, vas-y, je ne vais pas mentir. Juste, je voudrais trop savoir. Oui, enfin régulièrement. Oui. Est-ce que là, tu es en train de mentir ? Oui. Est-ce que tu Avec joie. Pas non. J'avais. Mais je passe un délicieux moment. Non, je sais. Mais je sais. Je le vois. Je le sens. Tu vois ? Pas la peine de me hurler dessus. Non ! Putain, je suis hallucinée parce que je crois que j'aime bien aussi ces olives. Je crois qu'on est sœurs d'olives. Ah. Ouais. Je crois que c'est aussi mes préférées. Parce que tu sais, les gens disent Kalamata. Mais c'est la seule qu'ils connaissent. Come on. Vraiment. Les gens mangent pas vraiment d'olives. C'est ça, ils savent pas faire. Parce que Kalamata, c'est trop salé. Mais déjà, puis c'est un peu méchant quand même, comme olive. Tu vois, c'est un peu. Non, comme ça, c'est une voiture qui va être noyée. Le moteur, il va être noyé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis moi, j'aime mieux quand c'est plus ferme. Ouais, je suis d'accord. Enfin, bon, sœur d'olive. Après, bon, si vraiment il n'y a que ça, j'y vais, mais bon. Mais j'ai une autre question très importante à te poser. Je voudrais savoir, dans quelles circonstances tu peux avoir les jambes moues ? Tu sais, quand tu as les genoux qui deviennent mous. Je te donne un exemple et après tu me dis toi. Okay. Comme ça te fait un petit peu une illustration. Moi, quand je vois quelqu'un, par exemple, si je regarde sur YouTube des vidéos de personnes qui se font piercer les tétons, j'ai les genoux mous. Tu flagelles. Exactement, je flagelle. Ok. Quand est-ce que je flagelle ? Mais t'as pas osé la poser comme ça. J'avais pas. J'avais oublié le mot flageller. Je suis un peu fatiguée, je t'ai dit. Et en allemand, on dit comment ? Bon, ça doit être un truc Krumm quelque chose. Krumm, c'est tordu. Ah bon, bah alors. Quand est-ce que je flagelle ? Je t'ai déçue. Non, tu m'as déçue avec ce mot Krumm. Alors, quand est-ce que je flagelle ? Je sais pas, en fait, j'ai pas de. Non, je flagelle pas. Toi, t'es un man debout, quoi. Ouais, je suis un man. je suis là, planté. Non, je sais pas à quel moment. Mais arrête de faire genre, là. Sans doute. C'est quand on a peur, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ou qu'on est dégoûté par un truc, mais qu'on peut pas le dire, ça se fait pas. J'ai peur de 1 milliard de trucs. Donc, évidemment, je vais flageller. Dis-moi en trois. Trois peurs, ouais. Trois grosses peurs. Ouais, ouais. Eh bien, la peur d'être poussée sur les rails du métro. Ah ouais. Comme tout le monde, je pense. Mais ça, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, on s'approche jamais vraiment trop, tu vois. Je regarde toujours derrière moi en me disant, est-ce qu'il n'y aurait pas un maboule derrière qui va me projeter ? Et là, un maboule. Un maboule. Quelqu'un qui serait complètement ding-dong. Ding-dong, allô ? Moi. Et là, tu te vois te pousser. Et là, je me vois me pousser. Bien sûr. Et là, je tombe. Bien sûr. Donc ça, une de mes premières peurs. Ouais. La deuxième peur, c'est d'avoir un serpent dans mon lit. D'accord. Voilà, comme tout le monde ça aussi. Ça cause des anguilles. Non, moi, j'ai pas peur d'avoir un serpent dans mon lit. Un boa constrictor, quand tu vas te coucher. J'aimerais trop. Clac, cap, il est là, il dort. Et sous ta couette. Attends, mais boa constrictor, c'est ceux qui se mettent en boudin comme ça ? Oui, ou c'est et qui t'avalent. Le boa, c'est celui qui ne peut pas te recracher. Il commence à te manger.
Je fais le bruit de manger. Et en fait, ça s'enfonce. Et après, ils savent que de toute façon, il faudra qu'ils aillent au bout. Donc des fois, en fait, ils se tendent à côté de leur victime, de leur proie, pour vérifier la longueur. Mais non ! Si, pour vérifier que ça rentre. Parce que si ça rentre pas, en fait, ils pourront pas recracher la chose. Donc d'abord, ils calculent. Ensuite, ils avalent. Et puis après, ils digèrent. Et en fait, tu restes là-dedans. Et il y a des espèces de... Je pense que c'est des sucs gastriques qui font que t'es dissous. Waouh ! Ouais. Donc et ça, tu peux ça pas fait quand même vachement peur. Ça me fait un peu flageller, ça, effectivement. Voilà. Alors que c'est pas une peur rationnelle, par exemple. Non, mais quand même, ça fout les ch'touilles. La ch'touille ? La ch'touille. Ça donne... Non, c'est pas ça. Ça donne la pisse chaude. La chaude pisse. La pisse chaude, c'est en allemand. Ah bah voilà. Oh, je suis trop bilinguiste. Oh, je me confonds tous les pédales. Ah. Mais attends, mais j'ai un petit doute quand même sur un détail de l'histoire, hein, que tu as précisé tout à l'heure concernant les boas. Mm-hmm. Les machins, ils font pas 8 mètres de long ? Si, 8-10 mètres, mais des fois, il y en a des plus petits. Ah, et c'est... quand même, il faut mesurer, si jamais tu tombes sur une girafe, tu vois. Eh ouais. Eh ouais. Mais j'imagine une girafe à côté d'un boa en train de lui dire « frérot ». Non, mais peut-être elle dort, tu vois. Ah, comment ça dort une girafe ? Est-ce que ça dort comme un cheval ? Un cheval ? Debout ? Non, ça dort... Ah ouais, tiens, ça dort sous une petite couette, une girafe. Oui. Dans un lit avec ses dimensions adaptées. Ah, trop mignon. Ah, trop mignon. Un 160, j'espère. Ouais, on a pris 160, on était en 140 avant. Et c'est vrai que ça change tout. On est vraiment mieux, mais tu sais quoi ? On s'engueule moins avec Roger. Et là, le bois. Mais est-ce qu'il a un poison pour tuer ces gens ? Non, il a rien. Juste, hop, il commence à te croquer un pied, t'es foutu, quoi. Mais t'es croqué de quoi ? Il n'a pas de si, dents. Parce qu'il a des micro-dents qui font que ça va que dans un sens. Ça avance. Ah, c'est une comme les vis sans fond. Ouais, c'est un rouleau compresseur d'abaler ouais. Une personne. Comme les serflex aussi, un peu. Exactement. Tu vois ? Ouais. Ok, et la troisième peur ? La troisième peur qui me ferait flageller... Oh, t'es en train d'abandonner. T'es pas en train de réfléchir. Les gens qui sifflent quand ils ronflent. Bah c'est peut-être ça, tiens. Ça, c'est une grande peur. D'être en tournée, de devoir vraiment me reposer parce que putain, il y a un concert le lendemain, un truc important à faire. Et là, tu tombes avec un connard qui ronfle dans ta chambre. Ça, c'est vraiment, c'est comme le boa. Et où le métro ? C'est vraiment... Juste une question. Dur. Tu dors avec qui ? Je dors avec ma girafe et mon boa. que tu connais pas ? Je suis dans le lit avec Roger. T'es la star du show, frérot. De quoi tu me parles ? Non, mais si, mais ça arrive tout le temps d'être trop défoncé et de, enfin, tu vois, de t'endormir quelque part. Et d'oublier ton code de portail. D'oublier ton code et de... Ou que quelqu'un dit « Ah, j'ai perdu la clé de ma carte de chambre, je veux dormir avec toi. » Enfin, tu vois. Ah ouais ? Bah, t'es quand même. Vraiment sympa, hein. Oui, mais bon... Ah bah, moi, le man, je lui dis « Frérot, regarde-moi bien en train de te dire non. » Oui, mais si c'est Vitalik, tu lui dis rien du tout. Ok. Non, mais bon, il ronfle pas. Non, mais écoute, je crois qu'on est obligé de finir sur cette anecdote parce que le temps passe vite quand on s'amuse et ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Donc, ah oui, c'est vrai qu'on a... J'ai pas de casque, du coup. Mon Dieu, c'est le générique de fin. Ouais. Ok, ça aussi c'est ma quatrième peur, ça me fait flageller. Pourquoi ? Ça va se terminer, je vais être dans le vide. Mais non ! Ma vie va s'arrêter. On va aller manger du roumousse. On monte là-haut, on monte d'un étage, on a 19 ans. Je peux garder ma tasse chien. Mais oui, bien sûr. Ah non, c'est Alban, on n'a pas le droit de te la donner. D'accord. D'autres avant toi ont essayé. Mais je t'en ferai envoyer une, elle vient de chez Action, j'ai déjà repéré. À chaque fois, on cite Action quand même. Il n'y a pas un épisode où on n'a pas cité Action. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je n'étais pas là. Avec grand plaisir. J'adore délirer, putain. Bisous, merci tout le monde. Et j'espère que vous avez passé un bon épisode. On se dit à bientôt de vous revoir. T'as compris ou pas par rapport au titre de l'émission. Voilà, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Gros bisous.